Non, restez assis. Bon, ici je m'appelle Alex. Et vous êtes à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services secrets français. Et à partir d'aujourd'hui commence votre formation d'officier traitant. Donc, pour être opérationnel, 6 points à retenir. Salutations fans de livres et bienvenue sur Éminence Grise. Dans cette vidéo, on va parler de choses terribles à base d'agents secrets, d'explosifs et de réunions confidentielles défense au sein des plus hauts sommets de l'État. On va parler de gens qui ont le permis de tuer. À travers les résumés des livres que le hasard décida de mettre sur mon chemin, nous avons ensemble philosophé sur Dieu et le néant. Nous avons découvert une enquête mettant en lumière les paradoxes de la fondation Bill et Melinda Gates, et nous avons appris comment et pourquoi nous étions tous addicts au smartphone et comment s'en protéger. Ici, le sujet de cette présente vidéo me permet de revenir à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le pouvoir. Et lorsque vous êtes à la tête du pouvoir au sein d'une grande nation, vous pouvez décider de raccourcir l'existence de certains individus considérés comme très dangereux pour la sécurité de votre pays. Nous allons parler d'événements auxquels même la presse n'a eu accès que bien plus tard, après de longues investigations. Nous allons parler d'un pouvoir que seuls les plus hauts dirigeants de notre pays s'autorisent à accomplir ou à faire accomplir. Nous lèverons le voile sur ce sombre aspect de notre grande nation, le pouvoir de tuer. Et nous le ferons à travers ce livre, Les Tueurs de la République. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir, ce n'est pas le genre de choses dont on parle dans les couloirs entre ministres à l'Élysée. Ces missions spéciales sont discutées entre quelques personnes haut gradées, habilitées et inconnues du grand public. Les dossiers qu'ils transportent contiennent des listes nominatives pour des actions opérationnelles discrètes et terribles. Les opérations HOMO, autrement dit, homicide extrajudiciaire. En matière d'exécution ciblée, François Hollande aurait été le plus actif des présidents. Une quarantaine, selon Vincent Nouzil, dans le Sahel, en Irak et en Syrie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est restée une grande puissance internationale, et notamment grâce aux missions de ses services secrets. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir certaines de ces missions secrètes qui firent grandir la France ou d'autres qui la blessèrent gravement aux yeux du monde et aux yeux du peuple. La liste est ultra secrète. François Hollande la garde précieusement, non loin de lui, dans le bureau présidentiel du palais de l'Élysée. Elle contient les noms des quelques personnes dont l'élimination a été secrètement approuvée. Ces missions, les opérations HOMO, seront confiées aux forces spéciales ou à des agents des services secrets français, voire à des agents de services secrets alliés. Voici les quelques lignes qui initient l'ouvrage de Vincent Nouzil, Les Tueurs de la République, Assassinat et Opération spéciale des services secrets. Rien que la couverture, elle envoie du lourd. Prenons quelques secondes pour présenter l'auteur. Vincent Nouzil est aujourd'hui un journaliste indépendant. Par le passé, il fut grand reporter pour l'Express et au Nouvel Économiste. Il écrivit plusieurs chroniques sur différentes stations radio comme France Inter ou RFI. Auteur prolifique, il est à l'initiative de plusieurs ouvrages d'enquête et de révélations et participa également à plusieurs autres sur des sujets souvent sensibles comme les réseaux de pouvoir, les relations franco-américaines, l'espionnage, la mafia corse, les pollutions industrielles et le monde des affaires. Vincent Nouzil participa également à la réalisation de documentaires, dont un est consacré au livre que nous découvrons aujourd'hui. Pour cet ouvrage en particulier, l'auteur a dû se transformer en véritable explorateur d'un sous-continent invisible aux yeux du grand public. Un royaume où les chefs d'État français successifs ont autorisé, voire commandité des opérations secrètes et en dehors de tout cadre légal. Vous verrez que ce livre est autant un révélateur d'informations sensibles qu'une véritable enquête historique sur les opérations de la France contre ses ennemis durant les 50 dernières années. Êtes-vous prêt pour cela? Ces opérations pouvaient prendre plusieurs formes. Soit des opérations classiques, si je veux dire, d'opérations HOMO, menées par les services secrets sur des territoires étrangers, soit au sol, soit à travers les airs, soit éventuellement les forces spéciales qui, au sol, vont infiltrer un territoire et puis aller cibler quelqu'un dans une maison ou dans un camp, etc. Pour Patrick Baudouin, nous sommes sur une zone grise. Est-ce que le secret défense, c'est pas l'arme ultime pour s'affranchir du droit ?
Oui, oui, c'est effectivement... C'est une sorte d'alibi commode pour s'affranchir de la règle de droit. Parmi les services secrets français, on connaît la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs. Stop the car right now. All right, now let me out of here. I'm afraid I can't do that. Agent Philippe Roche, DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs. Sounds big. French Secret Service. Oh. La DGSE a pour principale activité le renseignement extérieur. Bon. Alors, je veux la taille de l'agresseur, la couleur de ses yeux, l'arme utilisée, le nombre de balles tirées, le nombre d'impacts sur cible et tout ce que vous pourrez me dire sur Léla, qui pendant les 6 prochains mois sera votre officier de formation. Or, lorsque le renseignement amène des informations cruciales à propos d'un ennemi de l'État français qui fait l'objet d'une opération homo, c'est un autre service qui se charge d'effectuer le sale travail, la cellule Alpha, qui était autrefois le service action. Dès le début des événements qui entraîneront ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, l'État français fait appel au service de documentation et de contre-espionnage extérieur, le SDES, qui est l'ancêtre de la DGSE. Objectif de l'agence, affaiblir le Front de Libération Nationale, principale force armée des indépendantistes algériens. Pour cela, le SDES va identifier les individus qui soutiennent militairement et financièrement le FLN. Une fois reconnus, les membres du service action du SDES auront pour mission de les neutraliser. Parmi eux, William Bessner, un ancien nazi ayant servi en Yougoslavie. Devenu trafiquant d'armes, fournisseur du FLN, en 1957 à Munich, Bessner approche de sa voiture lorsque cette dernière explose. Cet attentat sur le trafiquant, signé de l'organisation de la Main Rouge, est en fait une opération des services secrets français camouflée. La Main Rouge sert de couverture afin qu'il soit compliqué de relier le gouvernement de De Gaulle à ses actions d'assassinat ou de sabotage. Otto Schlotter, Georges Purchet et bien d'autres soutiens du FLN abandonneront la cause algérienne ou se mettront à disparaître dans des événements similaires. L'avocat, Amoukran Haoul Daoudia, sera carrément abattu le 23 mai 1959 devant la porte de son cabinet en plein Paris. Ainsi, grâce au soutien du général de Gaulle qui cherche à affaiblir la révolution algérienne, le service action du SDES prouve son efficacité à l'intérieur même du territoire français. Le président élu Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en mai 1974. Il apportera de nombreuses réformes libérales qui sont toujours en vigueur. Divorce, droit de vote à 18 ans et même le droit à l'IVG. Toutefois, concernant les services de renseignement et le service action, il gardera la même ligne conservatrice que ses prédécesseurs. Durant tout son mandat, les méthodes des services secrets ne changeront pas. Giscard était un chasseur, avec une mentalité de tueur au sang-froid, implacable et sans état d'âme. Confie un des anciens conseillers du président. Valéry Giscard d'Estaing ajoutait qu'en cas de guerre ouverte, il fallait frapper l'ennemi et le laisser avec des blessures cruelles. C'est aussi lui qui décidera en 1979 d'écarter Jean Bédel Bokassa du pouvoir en Centrafrique grâce à une opération des forces spéciales. Longtemps allié de la France, l'empereur Bokassa s'est approché de Kadhafi et souhaite posséder l'arme nucléaire pour garantir l'indépendance de son pays. Face à cette volonté à peine voilée de se détacher de la tutelle française, le chef d'État de Centrafrique irrite le président Giscard qui retire son soutien envers l'empereur autoproclamé. Ce dernier décide alors de dévoiler quelques dossiers compromettants envers le chef de l'État français. 6 années plus tôt, en 1973, alors que Giscard était ministre des Finances en visite officielle, Bokassa lui avait offert des cadeaux comme le voulait la coutume. Parmi les présents se trouvaient notamment plusieurs diamants. Le goût de Giscard pour la chasse le fera revenir plusieurs fois en Centrafrique, et à chaque fois, Bokassa lui offrira de nouvelles pierres précieuses. Cette histoire, qui sera notamment dévoilée au public par Le Canard Enchaîné et Le Monde, provoquera un scandale politique. Pour le président français, son homologue à Bangui a dépassé les bords. Giscard décide d'agir. Le bras armé du service action débarque dans la nuit du 20 septembre 1979 à Bangui, capitale de Centrafrique. Baptisée Opération Caban, elle a pour but de faire arrêter Bokassa,
mais il était en déplacement en Libye à ce moment-là pour officialiser ses liens avec Kadhafi. Ses opposants en profitent alors pour le destituer et le service action fait le grand ménage dans les archives de l'ex-empereur. S'ensuivra l'opération Barracuda qui mettra David Dacko en lieu et place de l'ex-empereur. Bokassa survivra au coup d'État, mais restera quelque temps en exil. La France conservera ses intérêts en Centrafrique, mais Giscard sera affaibli par cette affaire de diamants. Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, ni du mépris. C'était quelque chose qui tenait aussi, permettez moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Une fois encore, le service action du SDS a prouvé son efficacité sur le terrain. Écoutez bien cette phrase. Nous n'avons jamais autant travaillé que sous la présidence de François Mitterrand. Cet aveu est celui d'un ancien officier du service action que Vincent Nouzil a pu interviewer. Un ancien agent ayant accompli des dizaines de missions au Liban et en Afrique dans les années 80 et 90. François Mitterrand était un partisan de l'abolition de la peine de mort. Cette philosophie humaniste de la sanction suprême au niveau national ne l'empêchera toutefois pas de porter le costume d'un président qui autorise la continuité des opérations Homo à l'étranger. Mais deux événements majeurs vont jalonner le mandat de Mitterrand. Le 23 octobre 1983, au petit matin, Beyrouth, la capitale du Liban, se réveille en sursaut à la suite de deux terribles explosions quasi simultanées. Il s'agissait d'un double attentat suicide ciblant des forces armées étrangères. La première explosion touche une base de Marines américains et fait 214 victimes. La seconde, quant à elle, détruit un immeuble nommé le Drakkar, au sein duquel logeait un bataillon de parachutistes français. 54 bérets rouges, ainsi que la famille du gardien de l'immeuble, trouveront la mort. Mitterrand veut se rendre sur les lieux. Ses conseillers préfèrent éviter. C'est trop dangereux. On essaiera sûrement de le tuer, dira l'un d'entre eux. Qu'importe, le président est déterminé. Le lendemain matin, il sera sur les lieux de l'attentat. La mine sombre et s'en prendra au chef du commandement français pour leur manque d'anticipation. De retour à Paris, le président veut une réplique. Il faut trouver les responsables et les faire payer. La liste des coupables potentiels est longue, tant la France a d'ennemis dans cette région. L'Iran, la Syrie ou encore la Libye. L'attentat était trop bien organisé pour qu'il soit le fruit d'un petit groupe isolé. Ronald Reagan, alors président des États-Unis, veut aussi agir. Et il concentre ses représailles sur l'Iran. Mitterrand est plus mitigé. Il veut être sûr de frapper les véritables coupables. Un an avant le double attentat, le SDES a été dissous et la DGSE a pris la relève. Grâce à des échanges d'informations avec la CIA, l'Agence des services secrets français confirme que les terroristes ont bel et bien été soutenus par l'Iran. La DGSE propose alors un plan radical, la loi du talion, œil pour œil. Elle propose tout simplement de répliquer contre l'ambassade iranienne au Liban grâce à des explosifs disséminés autour du bâtiment diplomatique. Le président Mitterrand approuve le plan, mais ne souhaite pas en apprendre davantage quant à sa mise en œuvre, du moment qu'elle soit rapide. Ce sera l'opération santé. Seulement, absolument rien ne se passe comme prévu. Dans la nuit du 5 novembre 1983, l'opération santé est lancée, mais plusieurs éléments l'amèneront au fiasco. Pour commencer, entre le briefing de la mission, la logistique pour atteindre le lieu annoncé, car la mission doit avoir lieu la nuit, et le début de l'opération, plus de 24 heures s'écoulent sans que la vingtaine d'agents impliqués ne prennent le moindre repos. Cette information est confirmée par l'un d'entre eux, à Vincent Nouzil, sous couvert d'anonymat. Ensuite, comme toute mission d'action, une reconnaissance du terrain a préalablement été effectuée. Problème, les informations remontées ne correspondent pas du tout à la réalité. Le bâtiment devait être entouré d'un muret et ne contenir que le gardien et sa famille, qui devait être capturé par les commandos avant que les explosifs ne soient placés, afin que l'ambassade disparaisse dans la nuit. Mais les agents, épuisés, sont abasourdis par ce qu'ils découvrent. L'ambassade iranienne est entourée d'un véritable rempart, surveillé par des dizaines de soldats armés, et dont les tourelles sont équipées de gros projecteurs lumineux. Toute intrusion s'avère compromise. Une tentative est lancée, quelques coups de feu sont échangés. L'opération santé est annulée, la DGSE retire ses agents avant qu'il ne soit trop tard. Mitterrand, dans sa précipitation à agir avant les Américains, a imposé à la DGSE et à son service action des délais impossibles et une mauvaise préparation. Le service action a failli à sa mission, il n'a pas démontré son efficacité.
cela aura de graves conséquences sur les relations entre le président et les services secrets. Mais ce n'est pas le pire fiasco de la DGSE sous Mitterrand. En 1985, l'ONG Greenpeace cherche à entraver les essais nucléaires français dans le Pacifique grâce à son navire, le Rainbow Warrior. Le soir du 10 juillet, une explosion retentit dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le Rainbow Warrior est endommagé. Fernando Pereira, un photographe de l'association, monte à bord et décède lors d'une seconde explosion. Le lendemain matin, un Zodiac et une bouteille de plongée sont retrouvés près d'une digue et deux touristes trouvés non loin sont interrogés. Leur passeport révèle de faux documents. Les investigations avancent et les policiers néo-zélandais découvrent que les touristes sont des agents de la DGSE sous couverture. Bref, ce nouveau scandale amènera une purge au sein des services secrets français et à une refondation de la DGSE et de son service action. Même le ministre de la Défense doit démissionner et le mandat de François Mitterrand sera profondément entaché par ce nouveau scandale. Vous l'aurez compris, cet ouvrage est une véritable mine d'or concernant les agissements secrets de la France à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans ce livre, l'auteur nous parle également des attentats de 1995 qui secouèrent la France, de la guerre en Libye sous Sarkozy, ou encore de la traque des responsables de l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan en 2008, durant laquelle 10 soldats français sont morts. Bref, que du lourd, que des faits. Tout ce qui est écrit dans ces pages est avéré. La France est l'héritière d'une histoire aussi longue et riche que sombre et sanglante. Même si elle est aujourd'hui mondialement connue et reconnue comme la patrie des droits de l'homme et qu'elle bénéficie d'un gigantesque réseau diplomatique, elle n'en reste pas moins une puissance militaire et technologique majeure, qui arrive à tenir en respect les autres puissances, anciennes comme émergentes. Il ne faut pas sous-estimer sa capacité de nuisance envers ceux qui souhaitent affaiblir son intégrité. Qu'il s'agisse d'anticiper les attaques ou de lancer des représailles envers ceux qui l'ont blessé. Si les services secrets français vous plaisent, je ne peux que vous conseiller les excellentes vidéos de la chaîne Thinkerview, qui a eu l'occasion de recevoir, entre autres, des anciens agents ainsi que d'anciens directeurs de la DGSE. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir à YouTube à grands coups de pouces bleus, de commentaires et de partages, vous savez comment ça marche. En tant que votre éminence grise, je conclurai en vous souhaitant de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, le savoir, ça se partage. Ciao !